Hey les amis, c'est Letko, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo review de Ratchet & Clank. Donc Ratchet & Clank qui est une exclusivité PlayStation 4, je vous apprends rien. Aussi qui a été un reboot, un remake, si vous voulez, du premier Ratchet en 2002 sur PlayStation 2. Donc un jeu bien sûr édité par Sony, développé par Insomniac Games, sorti le 15 avril 2016. Je sais, on est au mois de fin mai, donc voilà, ça fait un mois et demi que je devais vous faire que je devais faire la review. Donc un jeu PEGI 7, voilà, donc on va incarner Ratchet et Clank, son ami robot, donc Ratchet qui a un Lombax, et on va devoir arrêter le président Drake, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc, on va commencer cette review comme d'habitude avec plusieurs points, les graphismes, le gameplay, la durée de vie et la bande son. Et un peu aussi l'IA. Bon, voilà. Donc, commençons tout de suite par les graphismes du jeu. Donc, les graphismes sont assez jolis. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont abonnés à ma chaîne, enfin pas ma chaîne. À mon compte Twitter ou Facebook, j'ai mis des captures d'écran de certaines planètes comme la planète Kerouane, comme la planète aussi. Ah, j'oublie les noms, excusez-moi, il y a des planètes. J'ai oublié les noms, je suis désolé, j'ai oublié les noms, mais franchement, il y a des planètes, franchement, ils ont vraiment fait du beau boulot au niveau des décors. Ça, c'est très coloré, c'est très détaillé. On sent que les mecs d'Insomnia Game ont vraiment maîtrisé leur sujet là-dessus, même au niveau du moteur du jeu. Ça, on en parlera un peu plus dans le gameplay. Non, franchement, graphiquement même aussi, Ratchet a vraiment bénéficié d'un gros travail au niveau des détails de son pelage. On peut voir son pelage. Bon, après, vous me direz, c'est normal, Letko, on est sur PS4. Le contraire aurait été étrange. Mais là, c'est vrai que on peut rien dire là-dessus. C'est très soigné, c'est très coloré. Franchement, j'adore. J'ai adoré graphiquement, c'est très 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 joli. Il y a des paysages qui sont fous quoi. Kairouan, je crois que c'est la métropole où il y a des vaisseaux qui partent à gauche, à droite, un peu comme dans le sixième élément où toutes les où toutes les pardon toutes les véhicules volent à gauche, à droite, ils ont leur route, etc. Franchement, rien à dire quoi. Tu restes là pendant presque 2-3 minutes, tu regardes quoi. Tu sens la planète vivre. Voilà, franchement, c'était fou quoi. Bon, franchement, moi j'ai beaucoup beaucoup adoré, et c'est un plaisir pour les yeux en tout cas en termes graphiques, c'est très 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 joli quoi. Aussi, on a pu voir aussi, j'ai pu constater qu'il y avait des courses de hoverboard, donc gros clin d'œil bien évidemment à Retour vers le futur 2. Donc on peut faire des courses d'hoverboard sur certaines planètes, il y a des coupes à gagner. Après, c'est vrai que les courses ne sont le gameplay n'est pas c'est pas leur fort chez Insomniac Games, tout ce qui est course. On le sent tout de suite. C'est pas du tout maîtrisé. Bon, c'est jouable, hein, bien évidemment, on peut gagner des courses, etc. Mais tu sens que l'ergonomie, comment on appelle ça déjà? L'inertie n'est pas très respectée. Bref, c'est un peu moyen pour la course d'overboard, mais c'est une excellente idée. C'est une excellente idée, et ça, il n'y a pas à chier. Aussi, surtout, c'est en plus dans ce jeu, il y aura différentes phases de gameplay. Donc, il y aura des gameplays au sol où Ratchet va devoir se battre, tirer, etc. etc. Il y aura des phases que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Les phases en vaisseau, bon, c'est un petit peu mou, mais ça a le mérite d'exister et ça fait plaisir d'être dans un vaisseau spatial et de tirer. Bon, après, c'est vrai que c'est l'un de mes premiers Ratchet & Clank. Il a fallu attendre 2016 pour que je puisse en toucher un. J'avais touché un petit peu à Ratchet & Clank Nexus. J'avais joué que quoi 1 heure, je crois. Donc après, je n'ai pas approfondi le truc parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux à faire. Donc je l'ai mis un peu de côté. Donc peut-être que, vu que Ratchet & Clank 2016 sur PS4 a eu un bon succès, en plus le prix était doux. Je crois que quand le prix était sorti, le maximum était de 39 euros.
Bon, peut-être que là, vous pourrez le trouver à 30, voire peut-être 25. Donc, franchement, s'il est à 25 euros, je vous le dis tout de suite, foncez. Voilà, foncez. Donc, je pense qu'en termes des graphismes, j'ai tout dit. Donc, c'est très, très, très beau. Il n'y a rien à dire là-dessus. Rien à dire là-dessus. Les mecs d'Asomnia Games ont vraiment assuré le coup en termes graphiques. Au niveau du gameplay. Donc, au niveau du gameplay, Ratchet se m'a dit plutôt bien. Ce m'a dit plutôt bien. En plus, on aura un gameplay avec Ratchet. On aura un gameplay avec Clank. Donc, c'est des Clank qui va un peu avoir un gameplay un petit peu très limité par rapport à Ratchet. Donc, on pourra que se battre, sauter et c'est tout. Donc, on pourra pas tirer sur les ennemis. On pourra à peine les toucher. Mais les phases avec Clank, c'est des phases de gameplay, de réflexion, d'énigmes. Donc, c'est vrai qu'il y a des énigmes qui sont assez difficiles à résoudre. Moi, j'ai eu du mal. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Les dernières énigmes étaient assez tendues, je trouve. Hein. Franchement, pour un petit 7 ans, c'est chaud hein, quand même. Moi qui ai 33 ans, c'est chaud. Il y a aussi les phases avec les crochetages. Donc, au début, c'est facile. Mais je peux vous dire qu'à la fin du jeu, accroche-toi à tout ce que tu peux, quoi, parce que les crochetages, c'est fou, quoi. En plus, il y a un rayon qui va pas vous servir à grand-chose, qui est là pour vous perturber. Moi, je vous dis la vérité. Moi, vers la fin, j'ai mis crochetage automatique. C'est vrai que tu perds tout ce qui est trophée, scoring, tout ça, mais un peu, je m'en fous. Heureusement qu'ils l'ont mis, déjà. Et heureusement qu'ils ont mis le crochetage automatique, parce que je peux vous dire, on serait resté longtemps. Après, je sais que sur Internet, il y a des solutions, il y a des images, etc., pour qu'on puisse résoudre les crochetages. Mais sinon, à la fin, c'était un petit peu chaud. Au niveau du gameplay aussi, je trouve qu'il y a certains gunfights où c'était un petit peu n'importe quoi. Où ça partait dans tous les sens, ça tirait de partout, tu savais pas comment, d'où ça venait. Bon, après, moi, je jouais en mode difficile. Donc, c'est peut-être pour ça que ça partait un peu dans tous les sens avec les ennemis qui t'agressent. T'as des ennemis qui te foncent dessus. T'en as qui sont un petit peu en retrait, qui vont te jeter des bombes. T'en as qui sont au niveau aérien, donc qui vont te toucher. Oh, non, mais c'est un petit peu n'importe quoi. Moi, je vous dis, pour celui qui veut une bonne expérience de jeu, je pense qu'en niveau moyen, c'est peut-être mieux pour lui. Mode difficile, c'est vraiment pour ceux qui aiment vraiment beaucoup les challenges. Je sais qu'il y en a qui vont dire, voilà. Les de côté sérieux, le jeu n'est pas difficile, etc. Bah, moi je trouve que vers la fin c'était un petit peu n'importe quoi. Au début ça va. J'ai même battu le premier boss qui est assez balèze. Qui est assez balèze hein, quand même, qui est assez impressionnant. Je ne vous en dis pas plus, pas vous spoiler. Mais franchement, après il y a aussi le fait que dans le jeu il n'y a pas beaucoup de boss. Ça c'est un petit point négatif. Il y a 4 boss. Bon, ils ont le mérite d'être assez gigantesques, à part un qui est pas très gros, mais le reste, c'est des bons boss que j'ai bien aimé. J'ai mis du temps à battre aussi, ils m'ont donné un peu de fil à retordre, mais voilà. Donc, non, mais en termes de gameplay, il n'y a pas de souci. En termes de gameplay, Ratchet se manie très bien. Au niveau des tirs, ça. Il n'y a aucun souci de viser, etc. À part que son arme principale, le propulseur magma ou ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, bah, l'arme principale de Ratchet ou qui tire quoi. Après bien sûr il y a des phases, il y a des chaque arme a son amélioration. D'ailleurs l'arme principale de Ratchet je l'ai améliorée à fond. Donc quand vous l'avez au premier niveau, vous tirez qu'une seule balle, entre guillemets une balle. Et quand on est au dernier niveau, ça tire 3 balles en même temps. Donc c'est vraiment des paramètres à ne pas négligé, donc il va falloir améliorer vos armes. Il y a différentes armes de plus ou moins complémentaires. Il y a différentes aussi. Il y a aussi monsieur Zurkron que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, le jeu a un côté humoristique et comique que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'humour de ce Ratchet. En plus, ils ont vraiment mis les dialogues au goût du jour par rapport à la version 2002. Voilà, par exemple, quand je suis parti voir le président de Gadgetron, il a dit voilà, tu vas essayer notre nouvelle arme, n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux, hashtag Gadgetron. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu plusieurs fois pas des fous rires, mais j'ai des sourires. Franchement, ça m'a fait rire.
Et d'ailleurs, il y a le film hein, en même temps que le jeu. Donc, c'est le film est inspiré du jeu que le jeu aussi. Voilà, je crois que je me suis pas emmêlé les pinceaux. Donc, voilà, donc le film, je l'ai pas vu. Le film, je l'ai pas vu. Je vais essayer de le voir avec mon fils. Ça serait peut-être un bon petit moment à passer avec lui, par exemple. Donc voilà pour le non pour le pour le gameplay, je pense qu'il n'y a aucun souci pour moi. En tout cas, j'ai eu aucun souci. En plus, il y a des phases où on a le jetpack, où on va pouvoir voler, des phases où on va pouvoir nager. Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Et comme je vous disais il y a quelques minutes, les phases en vaisseau. Et ça, j'ai adoré les phases en vaisseau. J'ai vraiment adoré. Donc non, franchement, en termes de gameplay, pas beaucoup de difficultés là-dessus. Pas une prise en main assez rapide. Voilà, prise en main assez rapide. Durée de vie de jeu. Donc pour la durée de vie du jeu, le jeu est assez long. On a 10 planètes. 10 planètes à entre guillemets explorer. Parce on n'a pas, c'est pas un jeu à monde ouvert. On n'est pas sur No Man's Sky non plus, faut pas déconner. Mais il y a des petits chemins alternatifs des fois. Pas tout le temps, mais des fois. Hein, des petits chemins alternatifs. On n'est pas sur du couloir. Voilà. Par exemple, quand on est parti chercher le champion d'Overboard. Il fallait tuer tant de monstres. Et donc il fallait aller à gauche, à droite et explorer la carte. Donc la carte, un élément à ne pas négliger avec le pavé tactile de la manette PS4 à utiliser pour se retrouver là-dessus. Pour se retrouver. Donc voilà, donc 10 planètes. Moi je crois que le jeu je l'ai fini en peut-être en 10 heures, peut-être en 9-10 heures. Donc une bonne durée de vie je trouve, voilà, très 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 bonne durée de vie pour ce Ratchet & Clank. Voilà, une durée de vie assez honorable je trouve. Ensuite pour la BO, pour tout ce qui est son. Donc le jeu est sous-titré et doublé en français. Donc bien évidemment pas doublé par Squeezie, heureusement, je vous le dirai. Apparemment Squeezie a juste doublé la version au cinéma. Donc peut-être que c'est pour ça que le film n'a pas beaucoup marché. Je crois que le film a eu 2,7 sur 5. Donc à peine la moyenne, ouais, la moyenne, plus de la moyenne sur Allociné, je crois. Donc peut-être que. Je pense qu'ils auraient pas dû dire que c'était Squeezie. Peut-être que les gens auraient réagi peut-être différemment. Ça, j'aurais bien voulu voir la réaction des gens si on leur a dit que c'est Squeezie et si on leur a pas dit. J'aurais bien voulu voir la réaction des gens. Donc voilà, peut-être que c'est pour ça. C'est pour ça que le film n'a pas beaucoup marché. Heureusement, sur la version PS4, pas de Squeezie dans les parages. Donc Ratchet, très très bonne. Très très bonne. Très très bon doublage quoi, même Clank. Non, franchement, même en termes de doublage, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Chaque voix a bien été choisie par personnage. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Aucun souci là-dessus. Donc voilà, pour le son, il y a des thèmes qui reviennent assez souvent. Voilà, donc des thèmes plus ou moins agréables. Voilà, j'ai pas eu de thèmes qui m'ont agacé. Donc c'est plutôt bon signe pour Ratchet & Clank. En termes d'IA, donc l'IA est plutôt fourbe, voilà, plutôt fourbe. Il y a certains ennemis qui sont très malins. Les boss sont très très bons aussi. J'ai beaucoup aimé le dernier boss. J'ai beaucoup aussi aimé le premier boss qui est assez impressionnant. Donc c'est un jeu qui demande du challenge quand même, hein, qui demande du challenge, qui va vous falloir du skill. Donc bonne IA, donc en difficile très très bonne IA, très très fourbe. En moyen un petit peu moins. Mais je crois que le mode moyen, c'est que quand l'ennemi vous touche, il vous prend moins de PV. Donc c'est peut-être pour ça que ça change pas énormément de choses là-dessus. L'avant-dernier boss, j'ai pas aimé parce qu'ils nous ont pas mis des caisses de vie. Ça aussi, je voulais le dire. Par contre, tous les boss, on a une caisse de vie. On avait des caisses où on pouvait casser, récupérer un peu de vie. Tandis que le troisième, j'ai pas compris pourquoi. Mais bon, c'est comme ça, on va pas chercher à comprendre. Donc conclusion pour ce Ratchet & Clank sur PlayStation 4, les amis. Donc très très bon titre. Je vous recommande ce titre. Tous ceux qui ont aimé les Banjo-Kazooie, le futur Yooka-Laylee qui va sortir dans quelques années, dans quelques mois, je veux dire, sous Kickstarter. Donc tous ceux qui ont aimé ces jeux-là avec deux personnages et jeux d'aventure aussi, un peu comme
Jack et Dexter, hein, autre exclusivité PlayStation de chez Naughty Dog. Donc voilà, tous ceux qui aiment ce genre de jeu, moi je vous dis allez-y. En plus, le jeu ne coûte pas cher. Franchement, c'est un très 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 bon rapport qualité-prix que je vous dis là. Ratchet & Clank sur PlayStation 4 2016, c'est un très très bon cru. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. J'ai passé un très très bon moment dessus. Et voilà. Donc voilà. Vous avez mon avis complet de Ratchet & Clank sur PlayStation 4. Sur ce, les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres reviews, des vidéos découvertes, etc. etc. Ça arrive bientôt. À la prochaine. Ciao, les amis.